oui, Jean, c'est Flo. Tu peux me passer Julien, s'il te plaît? Ah bon? Mais... Attends, pourquoi? Ils ont trouvé quelque chose? Du bois, vous vous souvenez? Oui, on s'en oublie. Parce que notre voisin, lui, il a eu son autorisation à 2 semaines et nous, ça va faire 1 mois quand même. Oui, mais c'est parce que vous avez pas la... Vous n'êtes pas dans la même zone, c'est pour ça. Attends, je vois pas le rapport, hein, parce que déjà, hein, c'est incroyable d'avoir demandé la permission pour faire ce qu'on veut chez soi. Alors si en plus il faut attendre un 5 d'agrément, moi je trouve ça quand même incroyable. Voir. Parce que franchement. Ce type, il aime sa fille. C'est un peu trop. Pourquoi vous m'avez pas dit que vous aviez retrouvé les cadeaux, Léa? Où est-ce que vous les avez trouvés? Alors, on va revenir sur la nuit de vendredi à samedi. Je vous ai déjà tout dit. Vos amis de poker disent qu'ils vous ont quitté un petit peu avant 3 heures, c'est bien ça? Oui, et alors? Selon votre femme, vous êtes arrivé chez vous à 4 heures. J'ai marché un peu avant d'entrer. Marché? Ouais. Le problème, c'est qu'un témoin, vous avez garé votre camionnette à 3h45 devant le restaurant. Il était 3h45. J'ai vu l'heure en face quand je suis allé fumer ma clope sur le balcon. La camionnette de chez Morel est arrivée juste à ce moment-là. Alors, vous venez d'où? Je vous regarde pas. Et pourquoi vous aviez besoin de votre camionnette? Non, mais ça rime à quoi, toutes ces questions? 45 minutes. Là, on est 45 minutes. C'est le temps qu'il faut pour faire un aller-retour de votre restaurant à la Tête d'Or. Qu'est-ce que vous êtes en train d'insinuer? Que personne ne sait où vous étiez alors où votre fille a disparu. Putain. Allez, on va se calmer un petit peu, on prendra tout à l'heure, hein? Oui, mon mari. On a des déclarations contradictoires sur certains emplois du temps et Monsieur Morel nous aide à y voir plus clair. D'accord, mais il n'y a rien de nouveau. Non, non. Asseyez-vous. Votre mari a l'air très proche de votre fille aînée. Oui. Oui, oui, bah oui, depuis toujours, ils ont un rapport... très privilégié depuis qu'elle est bébé, même. Avec Thomas et Zoé aussi, mais c'est pas tout à fait pareil. Quand vous dites qu'il a un rapport privilégié, vous pensez que c'est parfois pesant pour votre fille? Ah non. Ah non, 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 elle en profite. Elle lui fait faire ce qu'elle veut, même. Attendez, vous insinuez quoi, là? J'essaye simplement de comprendre quel genre de père est votre mari. Julien est un père formidable.
Ça y est, on a fini là, je peux y aller. Je vous en prie. Je vois la liste de toutes les voitures flashées la nuit de la disparition. On trouvera ce que la tête d'or. Vous espérez trouver la camionnette de Noël? Ouais. Vous pensez vraiment que ce type a pu... Enfin, je sais pas, avoir ce genre de rapport avec sa fille? En 2 ans à la brigade des mineurs, j'ai vu autant de profils que de cas d'inceste. Des jeunes, des vieux, des abrutis, des intellos. Mais il y a toujours quelqu'un de la famille qui sait. Commandant, pour les cadeaux, j'ai trouvé qui a offert quoi. Sauf celui-là. T'es dans le pilotage. T'es pas venu à l'entraînement hier? Je t'ai laissé un message. J'étais chez Fic. Écoute, t'es connerie, c'est pas mon problème. Je veux que tu réalises que la course est dans 5 mois. Et que t'es loin d'être prêt. Il a disparu. Je comprends pas. Ça fait 2 jours qu'il est pas rentré. Il a fait de la musique. Couverte, maman, je tiens, j'ai du boulot, là. Attends. Lieutenant Camille Guérin, j'ai quelques questions à vous poser. C'est une procédure de routine, j'en ai pas pour longtemps. Oui, c'est mes gants. C'est Léa qui me les a offerts vendredi soir. Ils sont pas de taille, ces gants. Oui, je sais, c'est trompé. Là, elle a changé. Faut t'arrêter de foutre de ma gueule, là. Mon père est plutôt cool. Enfin, rien de spécial. Et avec Léa? Ils se ressemblent pas mal. Elle est plus proche de ma mère maintenant. Ils font beaucoup de trucs ensemble. Plus qu'avec votre père? C'est pas pareil. Il est pas net ce môme. Sa copine m'a pas lâché du regard, elle avait l'air carrément flippée, je l'ai sans parents. Donc j'ai appris dans le détail les premiers entretiens, et devinez quoi? Toutes leurs déclarations concordent au mot près, à la minute près. Quand on sait à quel point les versions varient d'un témoin à l'autre... On va les réinterroger. Vous prenez pas votre café? Moi jamais. Bonjour. Karine? Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien de grave. Ma fille est juste insupportable, j'en ai marre d'être seule à tout assumer tout le temps. Je suis là maintenant. Oui, justement, à partir de ce soir, elle dort chez toi. Ah non, c'est pas possible, ça. Je suis pas installée, j'ai beaucoup de travail là. Écoute, ça fait des mois que Rose me gonfle en me disant qu'elle serait mieux avec toi. Alors voilà, ça va être formidable. Vous allez pouvoir vous rattraper tous les deux. Je t'appellerai. Mais arrête de flipper. On s'en tient à notre version et c'est tout. T'inquiète pas.
J'arrête pas de penser à l'air. J'ai pas envie d'y penser. Ok, excuse-moi. Toujours pas. Non. Salut. Salut. Tu veux boire quelque chose? Ouais, je veux bien, je sais pas, un coca. Toujours pas de nouvelles, Léa. Non, mais... faut que je te parle 5 minutes. Ouais, ouais, ok. Écoute, je voulais pas que Léa l'apprenne comme ça, mais au moins les choses sont claires. Mais de quoi tu parles? Ben, on est bien ensemble, moi je... Arrête tes conneries. Je suis amoureux de Léa, moi. Ce qui s'est passé entre nous, c'est parce que j'étais furieux, parce qu'elle m'avait mis de côté. Je regrette. En plus, aujourd'hui. De toute façon, je vais plus en parler. Allez, ciao les gars. Et ça va? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Et pourquoi tu cours après ce type? C'est le mec de Léa? Oui, je sais. Mais tu vas te faire du mal pour rien, Chris. Vous avez aucune raison de me garder ici. Vous perdez du temps, allez chercher ma fille. Je peux faire deux choses en même temps. Allez, plus vite vous dites ce que vous faisiez avec votre camionnette, plus vite je peux me concentrer sur le reste. Mais ça n'a rien à voir avec Léa. Je suis sorti du resto à 3 heures après mon poker, il y avait une jeune femme qui m'attendait. Anne Bûcher. C'est une fille qui a bossé au resto quelques temps l'année dernière. Et j'ai eu une aventure avec elle. Ma femme l'a su. Je voulais pas tout cacher, alors... Anne a quitté le restaurant. Tu t'arrêtes maintenant. Ça fait des mois que tu m'appelles même pas. J'en ai marre. Mais Anne a fait une fixette sur moi. Tu me manques. T'es peut-être un peu bourré. Tu peux eu d'autres choix que la ramener chez elle. Je voudrais que vous me racontiez ce qui s'est passé vendredi soir avec M. Morel. Eh bien, je l'ai vu dans la nuit de vendredi à samedi. Il est venu me retrouver vers 3h du matin. C'est lui qui est venu chez vous? Vous n'êtes pas passé au restaurant? Si, j'étais passé plus tôt, mais ensuite, il m'a rejoint après son poker. Il est venu à pied ou en voiture? Voiture, je crois. Je me souviens pas. C'est pas plutôt une camionnette? Ah si, peut-être. Bon, on reprend. À quelle heure êtes-vous passé au restaurant? Vers 1h environ. Le restaurant était encore ouvert? Oui. Enfin, il était en train de fermer. Et ensuite, Julien Morel est venu chez vous? Oui. Et il est resté de 3h à 3h45. C'est précis. Non. Vous êtes fou sur tout le reste, mais là, sur le créneau horaire, c'est très précis. C'est un peu étonnant. Allez, dites-moi ce qui s'est vraiment passé. Julien m'a demandé de dire que j'étais avec lui entre 3h et 3h45. Mais c'est impossible, j'ai dit la vérité, je vous jure. Asseyez-vous. Ah mais elle raconte n'importe quoi là. Asseyez-vous. Julien, calme-toi, t'en gardes à vue. Voilà, et votre avocat n'est pas autorisé à intervenir directement pendant l'interrogatoire. Il n'y a à avoir accès à la procédure puisque vous me le refusez. C'est ça. Bon, on reprend depuis le début. Vendredi soir, vous aviez une partie de poker. Ah, j'ai pas poussé dans l'eau. Anne, là. Attention. Maman. Maman. Attends, deux secondes. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec papa? Tu joues encore un peu, Jimmy? J'arrive. Reviens dans 5 minutes. Hein? Tiens, tu peux t'essuyer un peu là. Qu'est-ce qui se passe? Hé, on parle pas de ça dans ta sœur. Mais pourquoi ils l'ont mis en garde à vue? Je sais pas. Et Paul, il t'a rien dit? Ah non, c'est pas moi qui ai vu ces gens. Bon, j'y vais. Ça va pas, Thomas. C'est moi qui vais y aller, tiens. Tu t'occupes de Zoé, tu la fais sortir de son bain et tu la fais dîner. Paul! Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il le garde aussi longtemps? Venez. Non, non, attends, je bougerai pas tant que je saurai pas pourquoi il le garde. Pourquoi on nous interdit de le voir? Ça c'est normal, il est en garde à vue. Bah oui, mais justement, pourquoi il est en garde à vue? Venez, on va pas rester là, je vais vous expliquer. Thank you.
pour les laisser tranquilles, maman. Tu veux faire une partie de PS? Ouais. À quoi tu veux jouer? Au foot. C'est à cause de l'air que maman elle est malade. Mais non, elle est juste fatiguée. J'aimerais bien qu'elle revienne et qu'on soit comme maman. T'inquiète pas, tout va s'arranger. Mais maintenant tu dors, hein. Tu peux pas rester un peu avec moi? Des fois, Léa se couche à côté de moi. J'aime bien ça. Bonne nuit, Thomas. Bonne nuit, Zoé. Il est beau, non? Beau, tu l'as fait? Ouais. Je douille un peu là. C'est cool. C'est pas qu'il t'a payé ça, mais. Allez, d'accord. C'est pas allez, que t'as payé. Insupportable. Arrête. Non. Merci. Je sais que Julien a dit la vérité. Comment tu peux penser une seconde qu'il pourrait faire quoi que ce soit à Léa? Je sais pas. Moi, je te dis que la Anne, là. C'est pas la première fois que je la vois près du restaurant. C'est une dingue. Elle a pas supporté qu'il arrête avec elle, et puis voilà, c'est... Qu'est-ce que tu fais, là? Je sais pas. Désolée. Et on finissait pas ce conseil municipal. C'est pas grave. Bon, je file au resto, Chris, maintenant, là-bas, avec Nicolas. Tu m'appelles, t'es à nouveau. Je suis désolée, il y a partout. Qu'est-ce qui se passe? Ils veulent faire des analyses. Ouais, c'est pour leur enquête, c'est normal. Je vous ai dit, ça s'est fini vers 3h et Anne est arrivée quand j'étais en train de fermer. Elle était seule? Ah oui, ils étaient tous partis. Elle a dû m'attendre. Elle était ivre. Elle a croisé personne? Non. Putain, on garde à vue. Mais je comprends pas pourquoi les flics le gardent comme ça. Je sais pas. Il leur a peut-être pas tout dit. Mais mon père, c'est pas le genre à cacher des trucs. Tu verras bien menti, toi, au flic. Moi, j'avais pas le choix. Et puis, c'était pour protéger aussi. Je suis censée dormir où? Je te laisse la chambre avec le lit, je prendrai le canapé. De toute façon, je vais pas rester longtemps. Ah bon? Et tu comptes aller où? C'est bientôt les vacances, je te signale. Genre, je vais les passer à Lyon. On mange quoi? On va commander des pizzas. Non, des sushis. Sushis? Non, mais attends, moi je suis d'accord avec Jean, hein. C'est cette salope d'Anne qui a menti. Parle pas comme ça. Ok, cette pute d'Anne, si tu préfères. Arrête, c'est pas le sujet là, putain. C'est pas possible. Ah, voilà. Alors, t'en prends un demi ce soir. Parce que tu peux pas tenir si tu dors pas. Et puis demain, t'oublies la mairie, et puis moi, est d'accord pour que je reprenne tes dossiers. Jusqu'à ce que ça s'arrange. Mais si ça s'arrange pas. Ça fait 3 jours. Pourquoi elle rentre pas? Elle veut mon bébé Zoé.
J'allais le dire. Moi, j'ai un problème. Tu sors sinon j'appelle les flics. Très bien, c'est exactement ce que je veux. Comme ça, tu pourras leur expliquer pourquoi t'as raconté n'importe quoi à propos de Julien. Il faut que tu dises la vérité. Ah, Julien a besoin de moi maintenant. Bah, c'est trop tard. Tant pis pour sa gueule. Ma fille a disparu depuis 4 jours et toi, tu oses te servir de ça pour régler tes pauvres petites histoires de cul. Alors, écoute-moi bien, si jamais il lui arrive quelque chose à cause de tes conneries, je te tue. Ça aussi, tu peux aller raconter aux flics. Y'a pas de problème. Bonjour. Bonjour. La maîtresse de Morel a appelé, elle a pas voulu laisser le message. Elle a dit qu'elle vous rappellerait. Bon, bah, au revoir. Vous vouliez me parler ? Entrez. Bon, donc ce que vous me dites, c'est que vous n'avez pas exactement dit la vérité. Julien m'a bien raccompagné chez moi. Mais... Mais... Je me suis peut-être trompée sur l'heure. Vous dites pas exactement, peut-être, j'ai pas de temps à perdre. Vous voulez revenir sur vos déclarations ? Oui. Tout ce qu'a dit Julien est vrai. Je sais pas ce qui m'a pris, j'ai voulu me venger. En fait, j'ai pas réalisé. Ça s'appelle un faux témoignage. Je suis désolée. Désolée, ça va pas suffire. Non, mais là, je vous dis la vérité. Eh ben, on va voir. On va vérifier tout ça. En attendant, vous allez me suivre au commissariat, on va prendre votre déposition. Vous allez avoir besoin d'un avocat. Faut que je te dise. On en parlera à la maison, mon amour. Non. Toi qui étais ici, Paul qui me racontait des horreurs, j'ai douté de toi. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Là depuis ce matin. Impossible de s'en débarrasser. Au sérieux, dégagez s'il vous plaît, c'est pas le moment. Monsieur Morel, une déclaration. Monsieur Morel, une déclaration. Qu'allez-vous faire maintenant, monsieur Morel? Attendez, attendez, excusez-vous. Léa, si tu m'entends, on veut juste que tu reviennes. Rentre à la maison, monsieur. Allez, reviens. Alors, on en est où? Nulle part. Il a recherché la tête d'homme, rien donné. Ni dans le parc, ni dans le lac. Dans les affaires de la petite? Rien en a oublié à première vue. Mais les collègues d'informatique bossent toujours sur les mails effacés. Et le père? Alibi confirmé. Les radars, ça ne veut quoi? Rien. Aucun véhicule de l'entourage n'a été flashé. Maintenant que ça intéresse la presse, va falloir mettre le turbo, s'ils vont pas nous lâcher. J'ai pas attendu les médias pour prendre cette affaire au sérieux. Écoutez, ça, j'ai déjà dit aux flics, hein. Les gants, c'était un cadeau de Léa. Attends, j'ai vu notre paire, ici, presque identique, l'autre jour. Et ces gants qu'elle t'a soi-disant offerts sont bien trop petits pour toi. Bah oui, c'est trop petite taille. Léa est la seule à m'offrir des chemises à ma taille dans la famille. Bon, là, ça suffit. Si tu lui dis pas la vérité, c'est moi qui le ferai. Et la vérité sur quoi? Ces gants, c'est à Léa. Je comprends pas.
elle aussi a fait de la formule FR. Des cours de monoplace, des pilotages. Ça faisait un moment que Léa me suivait sur le circuit. Je sais pas, un jour Marco a voulu lui faire essayer une voiture. Puis on s'est rendu compte qu'elle était douée. Quelques semaines, elle faisait les mêmes temps que moi. Puis voilà, elle est revenue, ça a commencé à devenir sa passion, c'est tout. C'est impossible. Ça serait forcément rendu compte de quelque chose. Écoutez, je suis désolée, mais voilà, elle m'a fait jurer de jamais vous en parler parce que... Parce qu'elle savait que vous l'obligeriez à arrêter. À cause de l'accident de votre frère. Et il est où, ce circuit? Excusez-moi, je cherche Marco Berti, s'il vous plaît. Marco est en bord de piste. Vous êtes l'instructeur de Léa Morel? Oui. C'est quel sujet? Je suis son père. L'autorisation que Léa m'a apportée. Signée de ses parents. Non mais... Vous vérifiez jamais? Je n'ai jamais imaginé qu'on n'était pas au courant. Les courses sont chères. D'habitude, c'est les parents qui payent. Même si je fais moitié prix pour Léa. Pourquoi vous faites ça? Léa est très douée. J'ai jamais vu un mental, un instinct comme ça. Et je comprends pas comment... Où elle trouve l'argent, je... Elle m'a toujours payé en liquide. Elle dit que c'est plus simple pour vous, avec le restaurant. Et à part Romain, elle voit quelqu'un d'autre ici? Personne d'autre. Elle vient, elle s'entraîne et elle repart. J'ai déjà dit tout ce que je savais à la police. Comment ça, ils sont déjà venus vous voir? Commandant Molina, ouais. Bon, sur les premiers interrogatoires, on a écarté le père et la mère. Si on se concentre sur Thomas Morel. Thomas Morel, d'après ses déclarations, il n'a pas passé la soirée avec sa sœur, il était chez Audrey, sa copine. Commandant, il y a Monsieur Morel qui souhaiterait vous parler. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous ne m'avez pas parlé du circuit, les entraînements de Léa, ses gants, son moniteur? Monsieur Morel, c'est moi qui décide des informations à donner. J'exige d'être tenu au courant des progrès de l'enquête. Pour l'instant, on n'a rien. Rien de significatif. Alors, vous me laissez faire mon boulot, c'est la meilleure chose à faire. Si vous avez une fille et qu'un jour elle disparaît, je vous souhaite pas de tomber sur un flic comme vous. Bon, elle est plus un suspect. Il imagine le pire pour sa gamine. Il est complètement angoissé. C'est peut-être pas indispensable d'être aussi dur avec lui, non? À sa place, je préfère un bon flic désagréable qu'un mauvais flic bien intentionné. Mais bah, pour l'instant, ni l'un ni l'autre ont retrouvé sa fille. Bon. T'étais au courant que Léa prenait de la coke? Non, je comprends pas, elle a dit quoi tu... Non, non, mais attends, pas de baratin! C'est grave, là, Chris! Écoute, la coke, on en prend tous de temps en temps. En soirée, mais c'est tout. Ça vient d'où, ça? D'où ça vient, ça? Je sais pas. C'est Léa qui a acheté à chaque fois. Le dis pas, papa. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de dire à ton père? Et le circuit automobile, ça aussi, t'étais au courant? Bah oui, enfin, Léa va voir Romain au circuit. Non, 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 ça, tout le monde le sait. Léa aussi, elle pilote. Tu savais pas ça, elle te l'avait dit? Non. 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 Non, je te jure que non. Ça fait combien de temps qu'elle fait ça? Mais j'en sais rien, putain! Est-ce que tu peux m'apprendre autre chose sur ma fille?
trouvé. La banque nous envoie le relevé, elle s'est servie de sa carte au City à 2h40. Plus rien depuis. Donc la carte a atterri ici après la dispute avec Romain. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire là à 3h du matin? Bon, on va fouiller le parc. Non, Miribel est un domaine ouvert, il y a 2200 hectares. Le lac est gigantesque, ça va prendre des semaines de faire des recherches. Et bah raison de plus pour commencer tout de suite. C'est quoi ces camionnettes? C'est les camionnettes des prostituées. Ça s'allume pour travailler? Généralement dans les allées, à part là-bas. Chaque descente, elle change de coin. Ça non plus, ça va pas être simple à gérer. Ne vient pas de nous. C'est pas du tout dans l'intérêt de l'enquête de divulguer ce genre d'infos, mais. Je me fous de vos explications, je veux voir Molina. Il est déjà parti, il sera là demain matin. Il est tranquillement rentré chez lui alors qu'il devrait être en train de chercher ma fille. Je veux parler à son supérieur. Non, monsieur Morel, je vous conseille de vous calmer. Je vous assure que j'ai aucune envie de vous coller en cellule une deuxième fois. Ça me dit quelque chose, c'est une... Vous avez jamais vu, non? Regardez, regardez. C'est sûr? Bonsoir. Ça vous dit quelque chose, cette fille? Elle est venue ici, non? Ça vous dit rien, regarde. Hein? C'est sûr? Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous l'avez déjà vu? Non. Jamais vu. Vous êtes sûr? Regardez bien, regardez. Je dis que non. Non, non, mais dites-moi, c'est important, là. Non, attendez! Bosse-moi! Mais c'est ma fille, elle a disparu! Je sais que vous l'avez vue! Allez, répondez! Dis-moi où elle est! Dis-moi où est ma fille! J'en ai de colère! Arrête! Arrête! Tu dégages. C'est bon, c'est bon. Tu dégages. Sur quel temps il faut que je vous dise d'arrêter vos initiatives à la con? Allez, venez. Doucement. Doucement, doucement. Doucement. Putain, vous a pas raté. Mais vous croyez vraiment que des putes et des macs vont dire ce qu'ils ont vu à un type comme vous? Ça va. Convoqué au poste avec des vrais flics. C'est pas la même affaire, on a des moyens de pression, on a l'habitude. Il faut bien que je fasse quelque chose, moi, pendant que vous allez bouffer tranquillement. Mais je fais quoi, moi, ici, là, au milieu de la nuit? Je fais un sondage? Vous allez rentrer chez vous. Vous allez vous occuper de votre famille et vous me laissez faire mon boulot. Merci. Ça va aller? Tiens, tourne-toi. Moi, je peux pas croire que Léa, elle a un rapport avec cette fille. Mais tout ce que je sais, c'est qu'elle a reconnu Léa sur la photo. Oh, mais arrête, elle est affichée partout, sa photo. Non, c'est pas ça. Elle a vraiment eu un moment d'arrêt. Je suis sûre qu'elle allait me dire quelque chose. Arrête de bouger. Elle a changé d'avis, là, d'un coup. J'ai l'impression de plus savoir qui est ma fille. Elle nous a caché tellement de choses.
Tu me caches rien d'autre sur l'air? Bien sûr que non, je te promets. Va te recoucher, j'arrive.